Salut tout le monde. On voulait un update sur TGS 2014. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'était hot! Ouais, c'était vraiment hot. Bon, pour commencer premièrement de l'événement en tant que tel, puis je vais y aller avec chaque jeu au fur et à mesure. Donc, l'événement en tant que tel, il y a du monde. Beaucoup de monde. C'est ridicule, là. C'est la fameuse pensée, là, comme quoi qu'on a quand on prend le train ici, là. Comme quoi que tout le monde est entassé, là. C'est même 24 heures sur 24, là-bas. C'est vraiment. Il y a du monde, là, ça a juste pas de bon sens, là. Puis tout le monde, est sur leur. Ce qui est plus drôle, c'est que tout le monde est sur leur cellulaire. Sur leur cellulaire en train de marcher, ou avec leur DS, ou avec leur PSP. Oui, PSP. Puis j'ai déjà vu genre 5 personnes avec des PSP ensemble, là, puis qui jouaient ensemble. J'étais comme, waouh, ça existe vraiment ici. Mais bon. Au niveau de l'événement en tant que tel, c'était évidemment tout était en japonais. Il y avait des places comme quoi, par exemple, ils t'offraient du bling. C'était assez rare, mais ça existait. C'est surtout plus les grands noms qui l'avaient, là, tu sais, mettons, vous les connaissez, tu sais, EA, là, la moitié des vidéos qu'ils fournissaient, c'était en anglais directement, mais sous-titré en japonais. Il y avait Capcom aussi, comme quoi que c'était, il y avait des places que c'était parfaitement bilingue, j'étais très surpris, m'en parler plus loin de ça, parce qu'il y a, quand on m'a parlé de Resident Evil, là, oui, j'ai essayé de me faire Resident Evil. C'était vraiment parfaitement bilingue. Sinon, comment c'était arrangé, t'avais vraiment comme le main stage, le main floor. C'est que t'avais vraiment des grosses compagnies, tu sais, on avait Square, Konami, on avait, PlayStation. C'était débile. Gros stage de PlayStation avec plusieurs jeux. Il y avait même une partie de PlayStation, si ma mémoire est bonne, qui était réservée pour Guilty Gear. Il y a évidemment Capcom, là. Je peux nommer encore. Il y avait deux, trois, mais tu sais, si je les nomme, c'est parce que j'ai pas de script, là. Mais c'est ça. Fait que c'était vraiment des grosses compagnies. Après ça, tu devais te déplacer dans une autre section parce que c'était comme des sections toutes coupées avec des halls. La deuxième section, c'était d'autres compagnies. Mais comme plus comme des publishers, comme mettons un côté ou de même. Fait que tu sais, c'est là comme quoi t'avais les jeux qui venaient de sortir ou qui vont sortir. Comme Hyrule Warriors, j'ai pu jouer la grosse version là. C'était assez hot. Il y avait aussi un stage pour Zoids. J'ai comme ça a pas encore ça. Il y avait un stage pour un autre jeu de fighter, je m'en souviens plus c'est lequel. Il y avait des petits stages en fait de publisher, tu sais, on les connaît là, quelque part là. Si j'ai oublié là, tantôt on va sûrement reparler là. Puis après ça, t'avais la section qui était comme, garde, tu veux t'acheter quelque chose, vas-y. Tu sais, c'est vraiment la place de où t'avais littéralement la boutique de Capcom. Boutique de Square. Mais Square, c'est tellement genre gros que genre t'avais la boutique de Square, puis t'avais Square Music. Puis je vais uploader une vidéo plus tard là. Hey, Square Music là, je pouvais pas, si j'arrive pas passer mes journées là. C'est juste waouh. Tu sais, imaginez-vous les bonnes musiques de toutes les musiques de Square là. Tu sais, ça varie genre de Secret of Mana ou Obvious. Final Fantasy, mais
c'est vraiment toute la musique style orchestral, là. Fait que, tu sais, c'est juste de toute beauté, là. C'est la grosse affaire. Après ça, on avait aussi une place de Sega. Puis d'autres petites places, là, à gauche puis à droite, là, que je connais moins, là. Mais, tu sais, je sais comme quoi que, il y avait genre du Blaze Blue en vente. Pas ben ben, mais c'était surtout plein de petites affaires là, que le monde ici connaît là. Il y avait évidemment une place pour le Tokyo Game Show là, avant des t-shirts à faire la même. Mais il y avait loin d'avoir la grandeur de nous autres. Loin. Les autres, le large, là, c'est un médium. Puis c'est encore trop haut, là. Fait que, ouais. Je voulais peut-être acheter un t-shirt pour du monde que je connaissais, mais avec les sizes, je me suis fait, ok, on oublie ça, puis on va trouver d'autres choses pour des souvenirs. Fait que, sinon, je me suis acheté un poster de finale, évidemment. Puis je me suis acheté aussi. Ah ouais, j'avais une clé. Ben oui, j'ai une clé pour mon appartement, mais j'ai rien pour la mettre, puis de temps en temps, je la perdais. Fait que je me suis acheté premier goodies japonais que je me suis acheté, même si c'est vraiment loin d'être japonais, puis tu peux l'acheter sûrement en ligne. Un petit keychain de Pullman. Yeah! Il est fort. Puis il est déjà tout sale en arrière, parce que la clé, ça frotte, puis ça fait des scratchs. Ça scratche rien, mais le beau côté reste beau. Donc, on va donner ça, mais c'est plastique au bout. L'anneau, le bout qui relie la keychain, là, c'est vraiment plastique. Ça, là, quand ça va fermer, là, ça va fermer dans pas longtemps. Tu vois comme quoi que c'est cheap. Ils savent comme quoi, tu sais, we're super plastic. Ouais, c'est. Puis il y avait une zone familiale, là, mais c'est vraiment des affaires pour. Pour enfants, sauf à part une section, il y avait une section de Diablo Mario Kart 8, fait que là, tu voyais genre une gang de monde, genre de tu voyais une gang de personnes là, fait que, ouais, ben, je suis dans la place familiale, mais mon bro Mario Kart, fait que, screw guys. Mais, non, c'est ça, fait que, TGS, c'était ben, ben fun. C'était sûr, comme quoi, que quand je faisais les films, mettons que je parle un peu plus de l'événement en tant que tel, là. Samedi, il y avait du monde. Il y avait ben du monde. J'avais de la misère à circuler. Mais dimanche, si je dis qu'il y avait le double, je suis soit pas loin, ou soit comme quoi je suis à côté de la traque, dans le sens qu'on voit qu'il y en avait encore plus que ça. C'était ridicule, là. Puis, moi, ce que je trouvais drôle, c'est que pendant le con, quand j'étais en file d'attente, la moitié du monde, genre, essayait de regarder les vidéos, whatever, tu sais, il était de même, on essayait de voir ça. Regarde, c'est à dire, là, mais moi, j'ai une tête au-dessus de tout le monde. J'étais comme, ben, si je cherche quelque chose, j'ai juste à faire ça de même, puis je voyais toutes les vidéos, puis j'étais ben entertained, il n'y avait pas de problème. La première journée, j'avais pas amené ma DS. Grosse erreur. Ah, les files d'attente sont longues, 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 longues. Tu sais, quand tu dis qu'on va t'attendre genre 1 heure et quart, 1 heure et demie pour regarder une vidéo d'un jeu, puis cette vidéo-là du jeu en tant que tel, il est juste expliqué en japonais, tu fais comme, ouais. Mais ça valait la peine, ça valait la peine, au moins c'est sûr. Ça, c'est sûr, 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 sûr. Fait que, sinon ma conclusion pour, mettons, TGS, là, si vous allez regarder les autres vidéos, là. Mais la conclusion, mettons, pour le TGS, qu'est-ce que ça donnerait? Moi, je dis comme quoi que n'importe quel gamer qui va à des conventions, des jeux-là de base, devrait y aller au moins une fois. Même s'il parle pas un mot japonais ou peu importe, là. Ça vaut la peine d'être là. Parce que la moitié du stuff, des trucs sont expliqués, pas expliqués, sont démontrés en anglais ou sont montrés par image. Donc, s'ils veulent pas que tu prennes de photos dans cet endroit-là, ils vont te le dire, t'inquiète, ils vont te le dire à 100 000 à l'heure. Ah oui, je revenais à quelque chose. Non, je vais faire une vidéo là-dessus, en fait. C'est ça, fait que tu...
Tout est expliqué un petit peu à quelque part en anglais, ou même te diriger, là, regarde, c'est pas compliqué, tu suis la foule, tu consommes pas la tête. Donc, pour le monde qui pense devenir, admettons, à TGS, un jour, une année, whatever, moi je conseillerais, venez passer une semaine au Japon. Ouais. Exemple, admettons, c'est juste pour le week-end, parce que c'est le public day. Bon ben, arrivez comme que j'ai fait un mardi, vous allez passer 2 jours au Japon, essayez de vous démerder un petit peu. C'est quoi dire, mais c'est la meilleure méthode d'apprendre. Puis l'endroit où c'est que ça se passe, le TGS, ou du moins cette année, il y avait bien des places comme quoi qui faisaient exprès de traduire ou qui montraient des affaires déjà là, comme garde, tu veux ça, c'est temps. Ils faisaient exprès, là. Ils savaient comme quoi qu'il y avait beaucoup d'étrangers là. Puis il y en avait une méchante trollée là. C'est ça. Fait que pour tes gestes, ça. Donc, tu sais, venez un milieu de semaine ou partez un lundi ou un mardi, un lundi comme que j'ai fait pour arriver mardi ici, puis passez votre mercredi, votre jeudi, puis votre vendredi, ou, tu sais, à peu près. Puis repartez le lundi ou le mardi. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine de passer une semaine parce qu'en même temps, ça vous donne l'occasion de vous voir puis d'être immergé par une culture qui vous est plus ou moins familière ou par principe de whatever. Parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous qu'on voit sont juste intéressés par moi, de qu'est-ce qui se passe puis comment ça arrange puis des affaires. Ça va vous donner cette occasion-là en même temps. Moi, je suis un plus long trip parce que tout simplement, j'aime la langue puis à date, je suis bien placé, je suis bien poigné, et je suis bien entretenu avec le monde. Ouais, hier, j'ai eu une méchante brosse. Fait que, non, c'est ça. C'était bien le fun. TGS, c'était bien le fun. C'était à voir, mais, tu sais, là, j'ai fait TGS. Pis ça, mettons, si je parle d'un avenir futur, whatever. Je pense pas d'y retourner. Ouais, c'est ça que je dirais. Je pense pas d'y retourner parce que je sais c'est quoi. À moins comme quoi que par un hasard, je suis encore au Japon. Ou que je me retrouve au Japon encore, ou whatever. Là, j'y retournerai. Mais dans la situation comme quoi que je serai au Québec, puis comme quoi que TGS s'en vient, je resterai en ligne. Je resterai en ligne, puis je regarderai ça. Mais sinon, ça vaut l'expérience. Pour l'expérience, là, go, allez-y, ça vaut la peine. Fait que, donc, ça, c'est mon vidéo pour résumer le TGS de 2014. Si vous voulez que ce soit comments, like, dislike, pas vraiment faire de dislike, mais whatever. Puis, d'autres vidéos s'en viennent. À la prochaine. Salut.